to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Oh, 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 oh. Need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you weren't near. I cannot pretend that I do not care. Oh, oh. I keep asking why. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo super intéressante, je suis vraiment très contente. Il y a quelques jours je vous ai demandé de me poser des questions sur la thématique de l'immobilier sur Instagram, puisqu'aujourd'hui on a la chance de faire une interview avec une notaire qui va pouvoir répondre du coup à toutes nos questions sur la thématique de l'immobilier. C'est une thématique qui m'intéresse fortement puisque nous on a pour projet à court terme d'acheter un bien immobilier, notre premier bien immobilier, et c'est vrai que cette thématique c'est un sujet qui est très vaste et finalement c'est le projet d'une vie. On est tous confrontés à un moment donné dans notre vie à vouloir soit acheter, soit faire construire, soit louer. Enfin voilà, la thématique est vraiment vaste et on a souvent beaucoup de questions. On se demande par où commencer. Enfin personnellement, je n'y connais absolument rien du tout. Je ne sais pas du tout par quoi commencer, quelle démarche entreprendre. Donc vraiment, c'est un sujet qui m'intéressait fortement et pour lequel j'avais beaucoup d'entrain d'entendre les réponses aux questions du notaire. Donc je suis super contente et je pense que ça va vous intéresser fortement aussi. C'est super important de s'informer avant de démarrer n'importe quelle démarche. Et là pour le coup, on s'informe un petit peu en avance puisque nous, on voudrait commencer un petit peu nos démarches vers l'année prochaine. Bon, en raison du contexte sanitaire, l'interview va se faire par Zoom. J'ai pas pu rencontrer une notaire en vrai. Mais voilà, on va pouvoir faire l'interview par Zoom. Donc je vous laisse tout de suite avec l'interview. Donc bonjour maître, je suis très contente de vous rencontrer aujourd'hui par ce Zoom. Donc on a beaucoup de questions à vous poser concernant la thématique de l'immobilier, notamment pour un premier achat. Moi c'est quelque chose qui m'intéresse fortement également puisque on a pour projet à court terme d'acheter également un bien, mais c'est vrai que je suis complètement paumée, je sais pas par où commencer, et je sais que ma communauté également avait énormément de questions à poser à ce sujet. Donc je vais vous laisser vous présenter déjà dans un premier temps. Je suis Peggy Montesinos, je suis notaire, je fais partie du bureau du Conseil supérieur du notariat et sinon j'exerce en province dans les Vosges. Donc on va commencer par la première question. C'est une question qui est pas mal revenue, qui peut paraître simple, mais finalement beaucoup se posent la question de savoir quelles sont les étapes d'un achat immobilier. Première étape, c'est la plus évidente, c'est la recherche d'un appartement par exemple ou d'une maison. Donc cela peut passer par la consultation d'annonces en ligne, vous pouvez également franchir le seuil d'une agence immobilière, vous pouvez également aller chez le notaire pour voir s'il a des biens à proposer. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Ensuite, vous avez trouvé ou l'appartement ou la maison. Et là, une deuxième étape, se préoccuper de son financement. Est-ce que j'ai le financement nécessaire pour acheter cette maison? Est-ce que je fais une offre d'achat? Si vous faites une offre d'achat, elle doit être faite par écrit, avec un délai pour le propriétaire pour pouvoir vous répondre s'il est intéressé ou pas. Et si ça match, à ce moment-là, dans la plupart des cas, vous aurez la troisième étape qui est la signature de ce qu'on appelle un avant-contrat, classiquement le compromis de vente ou la promesse de vente. Et puis ensuite, entre le compromis de vente et la vente définitive, il y a un certain nombre de choses à faire. Et on va dire que 3 mois après, vous signez enfin la vente, vous versez le prix et on vous remet les clés. Voilà les grandes étapes rapidement déroulées d'un achat immobilier. En termes de délai, combien de temps peut durer un compromis de vente? J'en ai parlé juste avant. En règle générale, le délai entre le compromis de vente et la vente définitive, on va dire que c'est 3 mois. Ça peut être plus long, ça peut être plus court, ça dépend vraiment des situations. Mais le cas classique, j'achète un appartement ou j'achète une maison, ça va être 3 mois. 3 mois, c'est un délai qui est nécessaire pour plusieurs choses. Par exemple, pour l'obtention de votre financement, parce qu'il va falloir prendre son bâton de pèlerin, aller voir un ou plusieurs établissements bancaires,
qui va vous proposer une offre de prêt. Il y aura un délai d'instruction, etc. Donc, grosso modo, on va dire que ça, c'est à peu près deux mois et demi. Et puis, dans le même temps, le notaire qui sera chargé de régulariser, de préparer la vente définitive, va avoir un délai d'instruction parce qu'il y aura des pièces à obtenir, parfois des priorités, ce qu'on appelle à purger, parce que une commune peut par priorité acheter le bien à votre place. Alors c'est très rare, mais elle dispose d'un délai pendant lequel elle doit donner une réponse et qui la plupart du temps est de deux mois. Donc classiquement, on dit que le délai, il faut compter à peu près trois mois. Mais parfois ça peut être moins, parfois plus. Et si au bout des trois mois, on n'a pas signé la vente définitive, il est possible de prolonger la durée de cet avant-contrat. Et globalement, combien de temps il faut prévoir environ entre le début des démarches et l'installation dans le bien? Pareil, on peut partir plus ou moins sur trois mois, mais ça peut être un petit peu plus long parce que l'acquéreur, il va falloir qu'il déménage. Et donc là, c'est un délai donc, que nous ne maîtrisons pas. Mais là, il faudra voir avec un déménageur, si éventuellement vous passez par un déménageur, eh bien, à quel moment il pourra vous faire cette prestation-là. Mais pareil, on peut partir quand même sur en moyenne un délai de trois mois. C'est pas une question qui me concerne personnellement puisque je suis mariée, mais c'est une question qui est beaucoup revenue également. Quelles sont les précautions à prendre quand on achète en couple non marié? La meilleure démarche à faire, c'est au moment où on commence à se poser la question, on aimerait bien acheter par exemple un appartement à deux, on n'est pas marié, c'est de ne pas hésiter à franchir le seuil d'une étude, d'aller voir le notaire afin de bien voir quelles sont les problématiques qui peuvent se poser. Parce que déjà, acheter seul, c'est pas forcément évident, mais acheter à deux, il va falloir se poser certaines questions. Comment on finance? Le contrat, il sera à quel nom? Est-ce que ce sera à nos deux noms? Dans quelle proportion? Et puis, si jamais on se sépare, comment ça va se passer? En cas de décès de l'un ou de l'autre, comment ça va se passer? Donc, bref, le mieux, c'est d'aller voir un notaire qui va pouvoir vous aider et vous donner le meilleur conseil possible pour que vous ayez la meilleure protection. Je prends un exemple très simple. Vous achetez un bien à deux, vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfant. En cas de décès de l'un ou de l'autre, eh bien, vous vous retrouverez en indivision avec les beaux-parents, beaux-frères et belles-sœurs. D'accord. Ce n'est pas forcément ce qu'on souhaite. Et donc là, le notaire pourra vous dire éventuellement de signer un pacte civil de solidarité, de doubler d'un testament pour faire en sorte qu'au décès, eh bien, ce soit son compagnon, sa compagne qui soit propriétaire et non pas la belle-famille. Et donc, comment on gère la répartition de la propriété si les deux acheteurs ne mettent pas le même apport? C'est également une question qu'il faut envisager avec le notaire parce que, effectivement, si on ne finance pas de la même manière, si jamais on se sépare, si jamais on revend, il faut que les comptes soient faits le plus justement possible. Et bien là, au moment soit de la vente contrat, soit au moment de la vente définitive, il est possible dans la vente ou dans un acte à côté, et bien de dire quels sont les apports respectifs de chacun, comment on va rembourser le prêt, et puis le départ, de dire comment les comptes seront faits au moment de la revente ou au moment de la séparation ou en cas de décès également. Ça, c'est un point de nouveau à voir avec le notaire. Donc là, c'est une question qui m'intéresse fortement. Quelles sont les différentes aides que nous pouvons avoir en étant primo-accédant? Déjà, je vais peut-être définir ce qu'est un primo-accédant. Oui. Parce que tout le monde ne sait pas ce qu'est un primo-accédant. Est considéré comme un primo-accédant toute personne qui n'a pas été propriétaire au cours des deux dernières années de sa résidence principale. Donc, classiquement, la personne qui n'a jamais été propriétaire au moment de son premier achat, va être un primo-accédant. Mais ça peut également être quelqu'un qui avait déjà été propriétaire de sa résidence principale, qui a vendu, qui a été locataire par exemple pendant 3 ans et qui va faire un nouvel achat immobilier, nouvelle résidence principale. Il sera de nouveau considéré comme primo-accédant. D'accord. Et ce statut de primo-accédant permet de bénéficier de certaines aides et en règle générale, c'est lié au financement. Ce sont des prêts particuliers qui sont accordés aux primo-accédants. Alors, c'est peut-être des choses que vous avez déjà entendues, dont vous avez déjà entendu parler, les prêts à taux zéro, les prêts accession sociale, les prêts action logement, etc. Et donc là, tout le monde ne bénéficie pas nécessairement de ces prêts-là. Il peut y avoir des conditions de ressources parce que vous allez avoir des taux plus bas, des durées plus longues, etc., un accompagnement particulier.
Ça peut également être des aides qui sont données par les collectivités locales, mais là, il faut se renseigner région par région pour savoir s'il y a des aides de tel type qui sont accordées. Alors ça, c'est une question qui est beaucoup revenue aussi. D'ailleurs, on se la pose également. Quelles sont les choses vraiment primordiales à vérifier lorsqu'on achète ? Vraiment, quelles sont les choses qu'il ne faut pas oublier de vérifier pour être sûr de son achat ? Alors oui, ça c'est très important. Quand on visite un bien, eh bien, il va déjà falloir regarder l'état général du bien. Est-ce que je vais avoir des travaux à envisager ou pas ? Selon que j'achète un bien neuf ou un bien plus ancien, eh bien, il faut que je sache si dans les années à venir, je n'ai pas la toiture à revoir, si je n'ai pas les fenêtres à changer. Donc vraiment regarder l'état général du bien, la toiture, les gros murs, l'isolation. Enfin, vraiment, il y a plein de petites choses à regarder. Et grâce à l'avant-contrat, au compromis, il y a des diagnostics qui sont obligatoires et qui vont également vous aider à vous positionner ou pas sur un bien, puisqu'on va regarder s'il y a de l'amiante, s'il y a du plomb. On va avoir également un élément important qui est les diagnostics de performance énergétique, où on a une nouvelle mouture là qui arrive, qui permet eh bien, de savoir, d'avoir une idée du coût du chauffage, parce que ça, c'est quand même un élément important, parce que ça va être dans les charges après de votre maison, et qui vous permettra ben, peut-être de choisir plutôt tel ou tel type de bien par rapport à un autre. Il faut regarder également ben, la superficie du bien. Si on a besoin de 100 mètres carrés, ben, c'est quand même bien de regarder plus ou moins quelle est la superficie du bien que vous achetez. Ce que vous pouvez regarder également, parce que ça compte, c'est le niveau des impôts locaux de l'endroit où vous achetez, quel sera le montant de la taxe foncière annuelle. Si vous achetez une copropriété, regardez également quelles seront les charges de copropriété, parce que c'est ça. Tout ça, ce sont des frais supplémentaires. Donc, ce sont plein de petites questions à se poser préalablement à un achat. Alors, ça, c'est un petit peu la hantise. C'est une question qu'on se pose également. Comment être assuré sur les vis cachés avant d'acheter ? Comment on peut se protéger tout simplement ? Je vais commencer par expliquer ce qu'est un vis caché. C'est l'article 1641 du Code civil qui définit. En fait, un vis caché, c'est un vis qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que quand on fait la visite du bien, ben, ce n'est pas quelque chose que l'on voit parce que cela nécessite un contrôle approfondi, parfois même une expertise. Et puis, c'est seulement une fois qu'on est propriétaire du bien, en faisant par exemple des travaux, qu'on découvre, je prends un exemple, la mérule. La mérule, c'est un champignon qui aime les endroits sombres, humides, non aérés, qui se loge dans le bois. Et parfois, quand on découvre de la mérule dans un bien, eh ben, on est obligé de mettre à nu les murs, etc., pour corriger ce bien. Ça, c'est un vis caché parce que ça va déprécier la valeur de la maison ou de l'appartement et parce que ben, peut-être que pendant un certain délai, on ne pourra même plus vivre dans cet appartement ou dans cette maison. Donc ça, c'est un vis caché. Mais pour les vis cachés, il y a un délai pour pouvoir agir. Quand on découvre un vis caché, déjà, il va falloir démontrer que le vis caché, il existait au moment de l'achat. Parce que si c'est 15 ans après, je dis que j'ai de la mérule, ben oui, mais elle n'était peut-être pas là au moment où j'ai acheté. Et puis, il faut également vérifier si le vendeur, il est tenu à la garantie des vis cachés. Et là, ça va dépendre de qui vous vend. Quand c'est un particulier, qui vous vend un appartement ou une maison à usage d'habitation, vous pouvez être sûr qu'il ne sera pas tenu de la garantie des vis cachés parce qu'on se considère qu'il n'est pas professionnel et que le vis qui vous était caché, lui, ne le connaissait pas plus. Alors, il y a seule une catégorie de vis cachés qui, quand c'est comme ça, est quand même prise en compte, c'est le vis caché volontairement dissimulé. Le vendeur savait qu'il y avait un vis qu'on ne voyait pas. Et il ne vous l'a pas dit. Mais à partir du moment où lui ne connaissait pas le vis, vous ne pouvez pas engager sa responsabilité. Je peux prendre un exemple tout simple. Vous héritez d'une petite maison à la campagne. Vous n'avez jamais vécu dedans. Quand vous la vendez, vous ne connaissez pas le vis caché. En revanche, quand c'est un professionnel qui vous vend, un promoteur immobilier par exemple, là, lui, il sera tenu de cette garantie des vis cachés parce que c'est un professionnel et que il va faire des recherches plus importantes, plus approfondies sur le bien. Et donc, si on découvre des vis cachés, combien de temps après la découverte on peut entamer des démarches et surtout vers qui on peut se retourner en cas de découverte de vis cachés ? C'est 2 ans le délai et c'est 2 ans à compter de la découverte du vis caché. Donc, dès que vous découvrez
un vice caché, la première chose à faire, c'est de faire une lettre recommandée avec accusé réception au propriétaire pour lui faire part de la découverte de ce vice, parce que ça va fixer véritablement le point de départ pour agir. Et vous pouvez agir eh bien, contre votre vendeur, sous réserve qu'il ne soit pas exonéré de sa responsabilité. Et parfois, ça peut également être contre des entrepreneurs éventuellement qui sont intervenus. Mais là, on n'est plus dans la garantie des vices cachés, on va plutôt être dans un autre type de garantie, les assurances responsabilité classiques des constructeurs. D'accord. Donc, on peut obtenir, par exemple, un rabais du... Alors, vous pouvez obtenir deux choses, soit carrément l'annulation de la vente parce qu'on ne peut plus du tout utiliser le bien, il est totalement inutilisable, donc quand c'est comme ça, c'est une annulation de la vente, on vous restitue le prix, les frais d'acquisition, vous pouvez même avoir des dommages et intérêts, et puis dans d'autres cas, en fait, ce sera une réduction du prix de vente parce qu'on peut toujours utiliser le bien, mais il a une valeur moins importante que s'il n'y avait pas eu l'existence de ce vice. C'est vrai qu'on n'est pas forcément au courant, mais il peut y avoir des frais supplémentaires en plus du prix d'achat. Quels sont globalement tous les frais supplémentaires qu'on pourrait avoir en plus du prix d'achat ? Alors oui, il y en a beaucoup, alors j'espère que je ne vais pas en oublier, mais vous allez déjà donc avoir le prix de vente, ce qu'on appelle les frais d'acquisition, qui est improprement appelé les frais de notaire, en réalité c'est la fiscalité, la rémunération du notaire, les débours, et à tout cela va s'ajouter pas mal de petites choses. Si par exemple vous allez solliciter un prêt, vous aurez des frais de dossier, des frais de prise de garantie. Si vous avez trouvé le bien, par exemple, par le biais d'une agence immobilière, vous aurez peut-être des frais de négociation à payer en plus. Si vous passez par un courtier en prêt, vous pouvez avoir des frais de courtage. Et puis également, le jour où vous allez signer la vente, on va vous demander de rembourser, par exemple, si c'est une maison, une partie de la taxe foncière. Parce que la taxe foncière va faire ce qu'on appelle un prorata. Si vous achetez classiquement au 1er juillet, vous allez rembourser au vendeur la moitié de la taxe foncière de l'année. Voilà. Quand vous achetez en copropriété, ben là, on va faire des comptes par rapport aux charges de copropriété. Et puis, si vous passez par un déménageur, vous pouvez avoir des frais de déménagement, etc. Donc, il y a plein de petits frais en plus qui peuvent s'ajouter. Donc, c'est bien, effectivement, au moment où on se positionne sur un achat, ben, prévoir une petite enveloppe supplémentaire ben, pour couvrir ces petits frais supplémentaires auxquels on ne pense pas forcément tout de suite. Est-ce qu'il y a des frais lors de la signature d'un compromis de terrain à bâtir ? Vous pouvez avoir des frais, les frais liés à l'établissement de cet avant-contrat, qui peut être une promesse de vente, un contrat de réservation. Donc là, vous pouvez avoir des frais liés à cela. Le notaire peut vous demander, par exemple, une provision sur frais pour pouvoir instruire le dossier. On peut vous demander également un dépôt de garantie parce que le vendeur va s'empêcher de vendre pendant un certain temps son bien, donc il veut être sûr que son acquéreur est quelqu'un de sérieux, donc on va demander un dépôt de garantie. Vous pouvez également avoir des frais qui ne sont pas liés véritablement à la signature du compromis, mais qui sont liés au fait, par exemple, que vous allez demander un permis de construire, c'est-à-dire, moi j'achète ce terrain-là, mais je veux être sûr de pouvoir construire. Et quand on fait un permis de construire, vous pouvez avoir des frais liés à l'établissement de la demande, parce que dans certains cas, vous ne pouvez pas déposer tout seul un permis de construire, parfois vous êtes obligé de demander le concours d'un architecte. De la même manière, parfois il y a des études à faire préalablement et qui sont nécessaires à l'instruction du permis de construire. Donc ça fait partie des frais qui peuvent s'ajouter au moment de la signature d'un compromis, d'un avant-contrat pour un terrain à bâtir. Quand il est noté terrain à faire cadastrer, en quoi ça consiste ? D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire cadastrer ? Parce que du coup, pour le coup, c'est un terme que je ne connais pas du tout. Ça peut vouloir dire deux choses. Terrain à cadastrer, ça peut être tout d'abord terrain pour lequel on va devoir fixer les limites. Parce que quand vous achetez un terrain, on va vous donner un plan qui est le plan cadastral, qui est un plan qui est établi par les services fiscaux. Mais ce plan, il a une valeur fiscale. Il sert de base au calcul de l'impôt foncier. Et l'administration fiscale ne vous garantit pas que les limites qui sont fixées sur ce terrain sont les bonnes limites. Et donc, de faire intervenir un géomètre qui va prendre contact également, attache avec les voisins autour, va permettre de définir précisément les limites de ce terrain-là, ce qui vous permettra, si vous achetez, de savoir, par exemple, où vous pourrez mettre une clôture, où vous pourrez planter votre haie, des choses comme ça. Terrain cadastré, ça peut être aussi un terrain donc, qui est assez grand
de 5000 m2, je dis n'importe quoi, mais vous, vous n'avez besoin que de 1000 m2 et il va bien falloir qu'on divise ce terrain. Et là, on peut également dire que ce terrain va être cadastré. En fait, il va être divisé avec des limites bien établies. Bon, ben, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions de ma communauté et puis également les miennes. Merci pour le temps accordé. Très bien, merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. J'espère que l'interview vous a plu. On avait sélectionné les questions qui étaient le plus revenues. En tout cas, moi, ça a pu m'éclairer pas mal sur le sujet. C'est vrai que l'immobilier, c'est un sujet qui est assez vaste. Et donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'un notaire qui pourra vraiment y répondre, que ce soit sur le côté juridique ou pratique. Voilà, il y a vraiment plein de choses à savoir concernant l'immobilier. Et bah voilà, moi je suis contente d'avoir pu être éclairée un petit peu pour pouvoir me lancer dans ce projet. C'est vrai que c'est un projet de vie et que c'est un sujet extrêmement important. Il faut savoir vraiment se renseigner avant de se lancer dans toutes ces démarches parce que sinon ça peut faire vraiment peur et on veut surtout ne rien oublier pour un projet d'envergure comme celui-ci. En tout cas, trop contente d'avoir pu faire cette interview. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter sur les divers réseaux sociaux. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.